Salut les photographes, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, je vous amène avec moi en affût, tout simplement pour observer, photographier et filmer le chevreuil. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le caméraman qui a filmé cette vidéo, que sans lui ça n'aurait pas été possible de faire cette vidéo. Donc un grand merci à toi Célestin d'avoir pu m'aider à réaliser cette vidéo. Et cette vidéo a pris beaucoup de temps à la faire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus. Et si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans les commentaires, je suis preneur. Sur ce, bon visionnage. Donc là, je vous amène avec moi. Au premier affût, donc là il est très tôt, doit être 8h, et va falloir qu'on s'installe avant le lever du soleil, et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai réussi à monter l'affût avant que le soleil se lève, donc il n'y a plus qu'à attendre. Bon, vu d'ici, il paraît pas très bien. Camouflé, mais vu d'extérieur, je pense que les animaux ont une grande difficulté à me voir. Et cet affût a plutôt bien marché car j'ai réussi à faire deux ou trois clichés. D'ailleurs, si vous voulez voir mes photos sur Instagram, le lien est dans la description, vous pouvez retrouver ces photos sur mon compte. Donc maintenant, je vais vous emmener au deuxième affût, là où j'ai passé la plus grande partie de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est parti, je vous emmène. Voici à quoi ressemble le terrain où je vais faire mon affût. J'avais déjà fait beaucoup de repérages ici. En plus, le champ a été rasé il n'y a pas très longtemps et j'ai pu apercevoir des empreintes vu qu'il a plu ces derniers jours. Et j'avais déjà vu pas mal de chevreuils. Donc je me dis que c'est un bon endroit pour faire un affût. Maintenant, plus qu'à installer l'affût et je vous retrouve tout de suite après. Maintenant que j'ai fini d'installer l'affût, plus qu'à s'habiller en tenue de camouflage, en buisson vivant comme je le dis, et je vous retrouve tout de suite après.
installé et opérationnel, il faut plus qu'à attendre et espérer l'arrivée des chevreuils. Thank you.
Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Ça me fera extrêmement plaisir et ça soutiendra la chaîne. Ça me fera aussi envie de vous faire plus de gros projets comme cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram pour voir les photos que je fais. Et sur mes autres réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok ou mon site internet car j'ai fait aussi un site internet. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les photographes!